c'était pour toi qu'il était là? Je sais pas. Je savais même pas pour te dire, c'est après que j'ai su. Heureusement que j'ai pas su avant. Oh là là, Baudry. Baudry. C'est un cadeau, non? C'est que je savais déjà. Ah, ok. On avait déjà les vidéos, on savait que c'était capable d'arriver. Pour moi, comme attaquant, je trouve que c'est très bien fini. Et là, c'est l'égalisation pour nous, ça arrive très vite pour nous. Et ça, c'est bien parce que mentalement, on n'a pas eu le temps de beaucoup réfléchir. Et ça nous a permis de rester dans le match. Ouais, et là, je le prends. Et à partir de là, je pense que c'est le pire match que j'ai joué. Bah, là. Oui, mais là, c'est bien parce que quand tu vois premier poteau, tu anticipes avec ta vivacité. Après, derrière, c'est une talonnade, c'est bien fini aussi. Ici, tu vois, les deux duels sont gagnés par des joueurs de Ultra Game. La passe. Et là, ils hésitent un tous peu, les deux. Oui, de tous les deux. Tu sais, je ne savais même pas que c'était moi. Oui. Je pensais en fait que c'était Adam qui avait touché la balle. Oui. Et puis, quand je regarde les images, j'ai compris que c'était mon dos en fait. Bizarre. Là, j'ai pu tuer le match et quelques minutes après. C'était ton tour. Bah, c'était mon tour et on reste sur la même logique hein, par ouais. rapport au match que j'ai fait, un match moyen. T'as des crampes? Il faut boire beaucoup d'eau avant le match. Hein. Avec le centre et... Et tout est parfait, c'est magnifique le timing de Gay ici. Je peux dire qu'à chaque fois qu'il y avait des buts, c'était comme des chocs émotionnels comme ça. C'était compliqué. Ouais. On est parti en team building. Et un team building vraiment spécifique avec une journée qu'on est allé à la mer. Avec, imaginez-vous, des joueurs qui ont dû donner des cours à des élèves pour sortir de leur zone de confort. Et des joueurs qui ont dû chanter pour des élèves. Pour sortir des choses, pour refaire le groupe. Et je pense que ce team building d'une journée a vraiment fait la différence. Et ça, c'est une délivrance. Donc, quand on voit Francky faire ça, alors qu'il est toujours très tranquille. C'était pas comme si on avait vraiment perdu, en fait. Quand on regarde tout le match, comment ça s'est déroulé, l'ambiance. Et pour moi, c'était la première fois, c'était quelque chose d'extraordinaire.